Bonjour mes épices. Oh oui, je ressens l'eau dans votre bouche. On appelle ça avoir de l'eau à la bouche. Donnez de l'eau à la bouche, oui. Je suis venu vous donner ça avec mon mouton grillé. Mais sauf que je suis pas seulement venu vous donner de la famine. Je suis venu vous récompenser. Vous connaissez, je suis pas gentil. Donc vous êtes tellement plein tout le temps que donc vous dites, chaque fois que tu viens ici, c'est seulement pour nous donner la famine, c'est seulement pour nous énerver. Non, je suis venu vous faire gagner 4 moutons. Vous savez que la fête du mouton, c'est bientôt, non? Et comme vous êtes nombreux ici, là, chrétiens ou musulmans, vous aimez aller manger chez les gens pendant la fête du mouton, c'est là. Ya! Yeah. Oh, je vous fais tout pour gagner votre mouton. Oui! Ok. Je vous dis que mes coucous, un mouton, genre, comme ça, là, hein? Vous restez comme ça chez vous, tout ce que vous avez à faire, hein? Vous voyez, que vous disiez comment faire pour gagner les moutons. Et qui, on peut mettre le genre comme ça, là. Et qui, mes épices. Ouais. Tout ce que vous avez à faire, simple comme bonjour, même comme ici, là. Bonjour, même difficile pour certaines personnes. Voilà. Ce que vous avez à faire, c'est de faire votre plus belle recette à base de viande. Faites ce que vous voulez, mais ça doit être à base de viande. Et vous devez être très créatif, vraiment. Je vous dis la vérité. Maintenant, deuxième chose, vous faites le selfie. Et vous voulez, je vous faisais tellement, je suis content. Ouais. Oh. Vous faites le selfie avec votre plat, hein? Avec le bouillon magie à côté. Maintenant, vous envoyez ça sur le WhatsApp que je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien en haut là-bas. Vous allez envoyer ça sur le WhatsApp de magie. Maintenant, alors, c'est eux qui vont choisir qui a fait la plus belle recette et la plus, on dit quoi là, on dit quoi comment là, et la plus belle photo, voilà, c'est ça. Top party. Commencez maintenant et pas demain. Comme vous êtes en train de voir la vidéo, c'est en train de vous la bouche, on s'avait l'eau dans la bouche. Et vous dites que dès que la vidéo c'est fini, commencez maintenant, pas demain, pas après demain, parce que bientôt ça fait du mouton. Je vous donne le best la semaine prochaine. Donc il faut déjà envoyer vos photos et vos vidéos parce que là, on doit trouver qui a gagné le mouton, les gagnants du mouton là. Parce qu'on doit fêter ça ensemble. Et quand vous gagnez, vous m'appelez, ne veux même pas entendre avec eux. Vous m'appelez, peu importe où vous êtes venu manger gratuitement. Une joie, c'est pour tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent que parce que vous êtes nombreux, vous ne savez pas utiliser le téléphone. Vous prenez seulement, vous arrêtez seulement pour regarder la vidéo, vous sortez. Vous savez pas ce qu'on appelle lien. Pour ceux qui ne savent pas, vous ne voyez pas le lien là-bas, vous ne voyez pas les liens dans le titre. Venez dans les commentaires, j'aime les liens dans les commentaires. Parce que je vous aime tellement que vous gagnez au moins les boutons aussi. Et faites-moi les bonnes recettes. Vous ne pouvez pas être mes épices, vous n'êtes pas inspiré pour faire les belles recettes à base de viande. Jamais de la vie, c'est pas possible. Donc faites-moi de très belles recettes. Quelqu'un veut rester comme ça, parce que oui, oh, mes épices sont des bons écoliers. Oui, oui, mais coucou. Vous donnez-moi envie de continuer à vous faire plaisir. Je vous dis que c'est 4 moutons ou 4. C'est beaucoup. Gratuitement. Donc on va tous faire tabasque là ensemble. Donc faites des très bonnes recettes. Vous faites vos belles photos là avec les bouillons culinaires magie. Vous envoyez vos photos, belles photos éclairs. Les cholons qu'on a laissés. Allez apporter là le téléphone même chez le voisin. Tu filmes, tu envoies sur le lien WhatsApp que j'ai posté là. Alors c'est ce que vous voyez, c'est là. Si vous voulez vous reproduire aussi ça. Et que ça soit aussi un rebouet. Faites-moi de belles photos, de belles vidéos. Hein? Peu importe le cas. Oh, je n'ai pas le fou. Peu importe. Fais une recette que tu sais que tu vas faire ça. Ça va donner comme des choses que tu as chez toi. Ne soyez pas complexe. Soyez simple. Vous voyez un peu. Moi-même, j'étais pauvre dans la vie. Donc je sais ce que ça fait d'être pauvre, mais coucou. Donc je ne peux pas vous en vouloir. Donc allez-y, moulou. Nayo, hein? Je suis là. Ouais, vous pouvez mettre ces épices comme ça dans la vie. Oh non, jamais. Bon, vous savez que la science, c'est la répétition des mains. Vous voyez un peu, non? Vous savez que la répétition, c'est la science des mains. Vous savez que la science, c'est la répétition des mains. Vous savez que la répétition, c'est la science. Voilà, la répétition, c'est la mère des sciences. Maman, laissez-moi seulement comme ça. Je suis tellement content de vous offrir 4 moutons. Donc, je ne vais jamais cesser de vous donner des bons conseils. Vous voyez un peu, non? Je voudrais dire ici, en particulier, que si vous voulez cuisiner avec le cube, votre tablette magie, non? Pour 6 personnes, vous utilisez 2 tablettes de cube. Vous n'utilisez plus de sel. Soit c'est 2 tablettes de cube, soit c'est le sel. Soit c'est le sel, soit c'est 2 tablettes de cube. C'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si vous utilisez le cube, ouais, non, cube et magie étoile. C'est 5 magie étoile. Vous voyez un peu, pour 6 personnes, je vous dis que, ne, pas plus, pas moins, je ne vais rien entendre, je ne vais même pas les moules étaient après, que d'abord, je ne vous avais pas dit que non, voilà ça qu'il vous dit, soit le sel, soit ça, ne mélangez pas, parce que, les bouillons culinaires magiques ont déjà le sel, ils ont déjà le l'iode, le fer, et un peu de tout ça là, hein, vous n'avez pas besoin de tout trop rajouter, et vous dites que ça donne, hein, vous voyez un peu non, voilà, maintenant, continuons. Oh. On est long pas de la fête du mouton, ça me rappelle, c'est ce qu'il faisait souvent quand il était petit. Ouais, oh l'enfant, c'est. J'ai ma meilleure amie, elle s'appelait Salmi. Enfin, on est toujours amis, non, elle s'est même mariée là récemment. Je l'aime beaucoup. Donc quand on était petit, son père avait beaucoup d'argent. N'est-ce pas, quand il y avait son la fête du mouton, la fête du ramadan, je sortais de chez moi. Normalement habillé, petite babouche là, patati patata, il m'habillait comme un petit villageois. Je prenais la bille qui était propre et mettais ça dans le sac. Je partais chez elle. Il dit que je suis venu vous aider. Elle dit que ouais, on n'a pas besoin d'aide avec les enfants. Il dit que moi, je suis venu vous aider. Ouais, oh, je suis là. On nettoyait, on travaillait. Quand tout le monde s'habillait, moi aussi m'habillais, j'étais même plus chaud que tout le monde. Je m'en ah papa, donc tu venais. Oui, ok, pourquoi je venais vous aider une genre. Le genre, ça n'existe pas. Après, bien, on faisait tous en famille. Oui, c'était à ma famille, c'était ma famille. Et quand ils finissaient là-bas, je n'avais plus besoin d'aller quelque part. Donc c'est là-bas où me voyait seulement. Donc maintenant, si c'est que tu me voyais ailleurs, c'est qu'ailleurs là. Mais c'est qu'ailleurs là, c'est que c'est la magie, c'est qu'il y avait plus encore là-bas. Peut-être il y avait le mouton, il y avait le bœuf, il y avait encore même, je ne sais pas, la viande de requin, hein, tu vois un peu. Et c'est moi qui interdisais que les gens viennent manger là-bas gratuitement. Parce que quand on était en train de manger comme ça, il y avait souvent le buffet. Tu vois comment les gens viennent là-bas devant la barrière, que on va entrer sale, mais on va entrer. Je dis que non, c'est pas le chez vous. Ne venez pas ici, c'est pas le chez vous, c'est comment. On écoute toi-même que sur le chez toi, je dis que oui, sur le chez moi, on voit pas comment je suis habillé. C'est ma meilleure amie, sa mère, c'est ma mère, hein, ouais. Les donc, les fiches, je vous dis que les fiches, c'est toi qui me donnes gratuitement, c'est toi qui parles encore la chiche arrêtée. Bref, donc ça vous avez compris, chiche, je donne pas la, je donne pas la nourriture. Bref, mon agneau est prêt. Après, monsieur Manuel, le accompagnement, c'est même quoi? Je vais faire les deux, les fruits de plantain et les fruits de pomme. Regardez comment mon agneau est sexy. Regardez comment il est gité. Regardez comment il est gris. Regardez comment il est coloré. Et vous voulez me dire que vous voulez pas jouer? Vous ne voulez pas gagner aussi le mouton pour cuisiner comme ça, hein? Pour faire genre?
Pour dire aussi que Messi a endormi. Regarde comme je suis en train de mettre la persiade sur les paumes. On appelle ça la persiade. Quand on découvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de paumes, on appelle ça la persiade. Regarde comme je suis en train de faire ça. Regarde comment c'est cercien, j'ai un cil. Regarde comment le piment donne envie. Regarde comment même la mayonnaise est différente. Il n'y a pas de regarder. Il n'y a pas de non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que moi, je prends l'agneau là comme ça là. Je déchire ça avec mes mains comme ça là. Vous voyez un peu, non? C'est, regardez, oh Seigneur, oh, aïe, aïe, aïe. Je déchire comme ça avec mes mains. Je prends, je mets dans le piment. Je tourne. Je prends là, je prends encore, je mets dans la mayonnaise. Je mets dans ma bouche. Je vous dis comment t'as ça. Après, colop, vous regardez encore des barres. Vous regardez. Ah, non, c'est pas possible, non. Je suis trop non. Bye.